Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction, dans lequel je vais vous présenter mon nouveau livre que vous voyez là, Apologie de la papauté. Cette émission sera extrêmement dense, je vous préviens, et je vous demande vraiment de faire l'effort d'aller jusqu'au bout, parce que vraiment tout est important dans ce que nous allons évoquer, que ce soit sur le passé de l'Église ou sur le combat spirituel actuel. Vous le savez, j'essaierai de réagréger à ma petite échelle la qualité française, donc à chaque émission, je relaie les initiatives françaises qui permettent donc de réagréger cette qualité française. Alors si vous êtes francilien, n'hésitez pas à passer chez nos amis de la librairie française, 5 rue Auguste Bartholdi, dans le 15e arrondissement, métro Lamotte-Piquet Duplex. Si vous cherchez un bon bouquin contre-révolutionnaire ou catholique, n'hésitez pas à aller chez nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmin. D'ailleurs, le CSRB vient de sortir un ouvrage sur le Covid, le Covidisme dans la Révolution mondiale. Est-ce que, piratement, vous pourrez le mettre en description? Ouais, cherche ça. Je voulais le prendre physiquement, j'ai oublié, pardonnez-moi. Mais de toute façon, on en reparlera bientôt de cet ouvrage. Voilà. Donc sinon, comme vous le savez, je vous renvoie aux chaînes YouTube qui est en description, les chaînes YouTube classiques, il y a des chaînes YouTube de Claire, il y a des chaînes YouTube de laïcs, Chute de Sarthe, Centurion Romain, Emmanuel la Catholique. Et à ce sujet, nous relayons ce soir un montage sur P12, qui est donc sur la chaîne d'Emmanuel la Catholique, et vous reconnaîtrez, les vrais reconnaîtront, je dirais, la voix de Cyril Dubois dans ce petit documentaire, si je puis dire, sur P12. Alors sinon, il y a les chaînes YouTube classiques, Vox Gallia, chaîne de Jonathan Sturel, etc. Voilà. Alors aussi, chaîne YouTube également d'Alain Pascal. Donc Alain Pascal a une chaîne YouTube, n'hésitez pas à y aller, elle se fait alimenter à échéance relativement régulière. Voilà, donc ça parle un peu de philo, ça fait pas de mal. Ce soir, bien entendu, M. Pierre Thiermont est avec moi à la technique. Donc je pense qu'on peut y aller, Pierre Thiermont. Donc, je vous présente ce soir, chers amis, mon ouvrage « Apologie de la papauté », qui, en quelque sorte, constitue une trilogie sur les papes, avec l'infaillibilité pontificale et parole de pape. J'avais pas pensé les choses comme ça, mais au final, ma foi, les choses se dessinent ainsi. Bon. Alors, cet ouvrage, Apologie de la papauté, je dois tout d'abord dire que il vise à faire redécouvrir le véritable visage de Pierre. Il vise à faire aimer la papauté, à la défendre et à la faire respecter. Cela m'a amené à me plonger dans le passé, à analyser le présent et à me projeter un peu dans l'avenir. Ce livre, qui dans un premier temps devait ne traiter que d'histoire de l'Église et d'histoire de l'Europe, parce que l'histoire de l'Église et de l'Europe sont entremêlées, a finalement aussi un versant doctrinal et un versant qui traite de l'actualité, puisque je pense avoir trouvé la cause véritable de ce fameux motu proprio qu'est Traditionis Custodes. C'est ce dont je traite dans ma très longue conclusion que j'ai appelée l'hypothèse du complot manqué. Alors donc, Apologie de la papauté est née de ma lecture d'un ouvrage de M. Roberto de Mattei qui s'appelle Apologie de la tradition. Vous voyez ? Et dans cet ouvrage, Apologie de... Alors d'abord, excusez-moi, qui est Roberto de Mattei? Donc c'est un prestigieux universitaire italien, un historien dont les ouvrages sont traduits en diverses langues et publiés donc dans de nombreux pays. Roberto de Mattei a également été un conseiller du gouvernement italien de 2002 à 2006. Et il est la figure de proue de la mouvance traditionaliste, c'est-à-dire qu'il vogue entre les mouvements Ecclesia Dei
et la fraternité Saint-Pédis. Bon. Cette lecture m'a frappé en plein cœur. Car c'est une attaque en règle contre la papauté. Les papes y sont accusés de tout et n'importe quoi, y compris d'hérésie, et ce, nous le savons à ce micro, et ce alors qu'il est de foi qu'un pape ne peut pas être hérétique. Je renvoie à mon ouvrage « L'infaillibilité pontificale » pour plus de détails. À lire Roberto de Mattei, les papes n'ont jamais été à la hauteur des persécutions et des épreuves subies par l'Église. Bon. Alors, dans la première partie de ce livre, qui est donc consacré à l'histoire de l'Église et de l'Europe, je réfute les erreurs historiques de Roberto de Mattei, ou devrais-je dire plutôt, je réfute ses accusations, magistère en main, faits historiques en main. Donc, je désosse les accusations gravissimes portées par des papes et accusations qui, malheureusement, sont reprises par les lefévristes, qu'ils soient Ecclesiadei, de la Fraternité ou Williamsonien. Et ce faisant, d'ailleurs, ils s'inscrivent dans le sillon des gallicans, des jansénistes, des libéraux, des protestants, etc. Je m'arrête sur de nombreux papes, je pense que j'en évoque une bonne trentaine. Ce qui permet au lecteur de s'imbiber vraiment de l'histoire de l'Église, qui est d'une richesse incroyable. Le lecteur, je vous le garantis, ira de surprise en surprise. Les différentes diffamations des traditionalistes visent à rabaisser la papauté, à la faire coïncider, entre guillemets, un maximum avec sa singerie conciliaire. Comme si on pouvait trouver dans le passé des traces de l'apostasie actuelle. Non, l'apostasie actuelle est unique, parce que c'est la première fois dans l'histoire que les autorités officielles professent le faux, alors qu'il est deux fois que les autorités ne peuvent pas professer le faux. Je parle des autorités de l'Église, bien entendu. Sur la base donc de ce diagnostic faux, Roberto de Mattei fait faire peau neuve à une vieille hérésie qui est le gallicanisme. Et le gallicanisme, c'est l'hérésie aveuglante. C'est l'hérésie qui empêche beaucoup de gens de bonne volonté qui se disent et qui se veulent catholiques, donc qui les empêche donc d'être vraiment catholiques et donc de faire le constat de la vacance du siège. Alors, permettez-moi une petite citation à ce stade. Conciliaires et traditionnalistes ont pour point commun d'avoir pour référence non la papauté, mais la singerie de papauté conciliaire. Les premiers pour l'adorer, les seconds pour la critiquer. Dans les deux cas, la papauté n'est pas respectée, car ses prérogatives divines sont considérées comme étant compatibles avec les surenchères hérétiques et les délires pastoraux des six usurpateurs modernistes. Pour les conciliaires, la papauté est cette institution capable de revirements complets en matière de foi et de mœurs, aboutissant au culte de Pachamama en pleine basilique Saint-Pierre. Pour les traditionalistes, la papauté est cette institution sur qui les portes de l'enfer ont triomphé, puisqu'elle professe l'erreur et multiplie les actes d'apostasie depuis des décennies. Oui, je précise que on connaît cette fameuse formule du Christ selon laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Qu'est-ce que c'est ces portes de l'enfer? Le magistère nous l'enseigne. Les portes de l'enfer, ce sont les mauvaises doctrines. Donc c'est les mauvaises doctrines, c'est l'erreur qui ne peut pas vaincre l'Église. Donc l'Église ne peut pas professer l'erreur. Donc si on dit que l'Église peut professer l'erreur, c'est qu'on considère que les portes de l'enfer, eh bien, ont gagné contre elles. Ce qui est bien entendu contraire à la foi. Au fond, seule la position de Nonacum est respectueuse de Pierre. Car elle seule établit une muraille infranchissable entre la papauté et les agressions doctrinales et pastorales de la secte du salut universel. Elle seule soutient que Pierre est imperméable au modernisme. Elle seule proclame que les portes de l'enfer n'ont pas triomphé de l'Église. Elle seule combat l'amalgame insupportable entre les papes et les imposteurs conciliaires. Elle seule respecte la papauté en opposant au monde que Pierre est et restera toujours la colonne de la foi. Aimer la papauté, c'est adhérer au magistère de l'Église et non en faire des interprétations acrobatiques pour altérer le sens des dogmes qui dérangent notre confort. Aimer la papauté, c'est s'insurger contre l'usurpation des apparences de l'Église par la secte du salut universel.
Les portes de l'enfer ont triomphé des conciliaires et des traditionalistes. Le meilleur moyen de les faire sortir de leur aveuglement est d'abattre le gallicanisme. Donc dans cet ouvrage, eh bien, je parle d'histoire, je parle un peu de doctrine, et on parle aussi d'actualité. Alors, ce soir, je n'aurai pas le temps de parler de tous les papes dont je traite dans ce livre. Bon. Je me limiterai à en évoquer quelques-uns seulement. Et avant cela, je tiens à dire quelques mots du travail de documentation qui a été nécessaire pour la rédaction de cet ouvrage. Roberto De Mattei, donc dans son ouvrage qui est pour moi une entreprise de démolition de la papauté, en tout cas de démolition de sa réputation, hein, ça c'est sûr, se revendique de deux auteurs. Le baron Ludwig von Pastor et le cardinal Ergen Rutter. Pour ma part, sur quels historiens me suis-je basé ? Je me suis basé donc sur l'histoire universelle de l'Église de l'abbé Rohrbacher. Je me suis basé sur l'histoire générale de l'Église de Fernand Mouret, sur l'histoire et l'infaillibilité des papes de l'abbé Constant. Et surtout, j'ai envie de dire, je me suis fondé sur l'histoire générale de l'Église de l'abbé d'Arras, poursuivi par l'abbé Bareil et Mgr Fèvre. Donc c'est une histoire de l'Église en 40 volumes. C'est un travail absolument exceptionnel, d'une part parce que la forme est très bien faite, ce sont des ouvrages qui sont très bien écrits, et sur le fond, c'est du béton armé. Voilà, il y a une grande rigueur au niveau des sources, des analyses, etc. C'est vraiment une des lectures les plus passionnantes que j'ai fait ces dernières années. D'ailleurs, ce livre est dédié à l'abbé d'Arras, à l'abbé Bareil et à Mgr Fèvre. Il est également dédié à tous les prêtres réfractaires d'hier et d'aujourd'hui, ainsi qu'à leurs fidèles. Alors je cite aussi, ça c'est mon côté un petit peu taquin, je cite longuement le cardinal Ergen Rutter, qui est une référence, nous dit-on, de Roberto De Mattei. Et le lecteur découvrira que le cardinal Ergen Rutter est bien plus souvent d'accord avec moi qu'avec Roberto De Mattei. Notamment, le cardinal Ergen Rutter va dans mon sens concernant donc Saint-Libert, Zosime, Jean XXII, Martin V, Eugène IV, Léon X et Pie VII, à tout le moins. Donc j'ai recoupé les sources un maximum hein, pour atteindre la vérité. Alors aussi, sur des sujets plus spécifiques, je suis allé piocher chez d'autres historiens. Par exemple, concernant les jésuites, très naturellement, eh bien, je suis allé lire l'histoire des jésuites de Jacques Crétineau-Joly. Ce travail passionnant de documentation m'a appris deux grandes leçons concernant les problématiques qui nous sont chères à ce micro. La première, c'est que l'annuaire pontifical n'est pas un document infaillible et figé. Exemple. En 903, nous avons à la tête de l'Église un certain Christophore, qui est censé être donc le pape officiel. En réalité, ce pape, enfin ce Christophore, était ce qu'on appelle un usurpateur, ou, disent les anciens auteurs, un intrus. Ce n'est pas la même chose qu'un antipape. Un antipape, c'est un faux pape qui soit est à la tête de l'Église, soit revendique en tout cas d'être à la tête de l'Église face à un pape légitime. L'usurpateur, en revanche, c'est un faux pape qui est à la tête de l'Église sans qu'il y ait de pape légitime en face. Vous voyez ? Bon. Eh bien, Christophore fait partie de ces usurpateurs. Et Christophore, donc, à l'époque, a été donc, à l'époque où il était à la tête de l'Église, a été considéré comme pape, hein, c'est ce que nous dit l'abbé d'Arras, il fut accepté comme pape, universellement. Mais l'Église, au XIXe siècle, va le retirer, à juste titre, bien entendu, de la liste des papes officiels. Alors, il y a d'autres papes dont on n'est pas sûr de l'existence. Par exemple, Donus II. On ne sait pas vraiment s'il a existé. Et je crois qu'il y a un problème assez équivalent avec un Jean XV. Par ailleurs, on n'est pas clair sur le compte des Étienne. Sur le décompte des Étienne. Pourquoi ? Parce qu'en 751,
il y a un Étienne qui, en 752 d'ailleurs, qui a été élu à la papauté, mais avant d'être intronisé, il est mort donc d'une attaque d'apoplexie. Donc certains auteurs le considèrent comme pape, et d'autres non. Ma deuxième grande leçon, et là ça a été vraiment passionnant pour moi à lire, hein, parce que vraiment on est... disons que ça pénètre les problématiques actuelles. La deuxième grande leçon, c'est qu'à la tête de l'Église, il y a eu à plusieurs reprises, je dirais même à de nombreuses reprises, des usurpateurs, c'est-à-dire donc des faux papes à la tête de l'Église, universellement acceptés comme pape, donc par les clercs de l'époque et par les fidèles de l'époque, mais qui n'avaient pas en face de lui donc de pape légitime. Alors je relève Boniface VI, Étienne VI, Christophore, Sergius III, Boniface VII, Benoît IX, Sylvestre III et Grégoire VI. Et donc cela a donné lieu parfois à de longues vacances de siège bien avant Vatican II. Nous avons eu par exemple une vacance de siège d'octobre 903 à avril 911, donc pendant presque 8 ans. Et nous avons eu également une période de vacances de siège de 1033 à 1046. Je vais revenir là-dessus. Alors, je vais m'en expliquer. Que s'est-il passé? Alors, en juillet 903, est élu le pape Léon V. Mais un mois plus tard, il va être renversé par un clerc qui veut s'emparer de la papauté, le fameux Christophore dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc Christophore met en prison le pape légitime Léon V, et peu de temps après, Léon V se fait assassiner. Donc, en 903, à la tête de l'Église, nous avons quelqu'un, Christophore, qui s'est emparé du siège de Pierre, mais sans être véritablement un pape. Le cardinal Baronius, avant d'en arriver là, donc nous avons Christophore, donc, qui est un faux pape à la tête de l'Église en 903, et ce Christophore va être renversé, arme à la main, par un autre usurpateur qui va s'emparer du trône de qui va s'emparer du trône de Saint-Pierre, qui s'appelle Sergius III, hein, et qui donc à la tête d'une armée renverse Christophore, puisque il y avait des combats entre les factions féodales, et Sergius III était le candidat à la papauté de la faction des marquis de Toscane. Donc le cardinal Baronius, vous disais-je, qui est donc un cardinal historien du XVIe siècle, écrit que, au sujet de Sergius III, il usurpa à main armée le siège apostolique, ce ne fut point un pontife légitime, mais un intrus. Ce qui fait donc qu'on a eu à la suite deux usurpateurs, Christophore et Sergius III, et ça fait une vacance de siège de 8 années, et je le répète, ces deux-là ont été universellement acceptés, puisque l'abbé d'Arras écrit donc que, malgré son intrusion, Sergius fut accepté comme véritable souverain pontife par l'univers catholique. Voilà. Donc on a eu des imposteurs universellement acceptés sur le trône de Saint-Pierre. Autre exemple concernant cette fameuse vacance de siège qui va durer de 1033 à 1046. Et là, ce qui est rigolo, c'est que l'abbé d'Arras qualifie cette période d'éclipse du pouvoir pontifical. Ça résonne chez nous tout cela. Alors, pour comprendre tout cela, eh bien, je renvoie au chapitre 6 et 7 de mon ouvrage. Ça a été pour moi les chapitres qui m'ont le plus intéressé, je dois le dire, en matière de documentation. Alors, pour comprendre tout ça, eh bien, il faut comprendre d'abord, il faut connaître les contes de Tusculum. Est-ce que vous connaissez les contes de Tusculum, Pierre? Alors, vous savez, Saint Pédis, dans sa célèbre encyclique Pascendi, enseignait infailliblement que les pires ennemis de l'Église étaient les modernistes. Mais au Xe siècle, les modernistes n'existaient pas, et les pires ennemis de l'Église étaient les comtes de Tusculum. Les comtes de Tusculum étaient donc une dynastie féodale de la région de Rome, qui, pendant 150 ans, va chercher et même réussir à mettre la main sur la charge pontificale, pour en quelque sorte la privatiser. Et ce, à un point tel que, malgré le fait que les comtes de Tusculum vont
parfois jusqu'à faire tuer des papes légitimes. Enfin, c'est en particulier Marozzi, la femme d'un des comtes de Tusculum, qui va le faire. Marozzi, qui est qualifiée de persécutrice des papes par l'abbé d'Arras, qui est qualifiée, je crois, aussi de fléau de la papauté, de mémoire. Fléau de Rome et du siège apostolique, ouais. Donc, malgré ça, eh bien, les comtes de Tusculum vont réussir à plusieurs reprises à placer certains de leurs enfants sur le trône de Saint-Pierre, et ce, de façon souvent légitime. Donc, nous avons des mauvais papes à cause de ça, comme Jean XI. Nous avons un pape douteux, c'est-à-dire un pape dont on n'est pas sûr de la légitimité, avec Jean XII. Et nous avons parfois des bons papes, avec Benoît VIII et Jean XIX. Bon. Alors, en 1033, l'un des comtes de Tusculum, qui s'appelle Alberic III, va chercher à placer son fils sur le trône de Saint-Pierre. Bon. Son fils, qui se prénomme, je crois, de mémoire, Théophylacte. Et Alberic III va réussir à placer son fils, Benoît IX. Enfin, le futur Benoît IX. Sauf que cette élection est illégitime. Elle n'est pas valide. Pourquoi ? Elle n'est pas valide parce que elle a été achetée, on a acheté les votes donc des votants. Donc c'est ce qu'on appelle une élection simoniaque. Et il y a un deuxième motif de nullité, c'est que le Théophylacte en question, l'heureux élu si je puis dire, est un enfant de 12 ans. C'est-à-dire que le bon Dieu a permis qu'on élise officiellement à la papauté un enfant de 12 ans. Donc Benoît IX était de toute évidence un faux pape pour ces deux raisons. Bon. L'abbé d'Arras le qualifie de pseudo-pape d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que... Bah, attends, je ne vais pas faire cette citation tout de suite, vous verrez pourquoi. Donc on a Benoît IX qui est officiellement à la tête de l'Église. Alors il est très jeune quand il est élu, bien entendu c'est l'administration de l'Église qui fait tourner l'Église. Hein. Mais néanmoins le peuple de Rome finit par être lassé par l'attitude de Benoît IX qui n'aura jamais la vocation. Benoît IX va être renversé par le peuple de Rome. Et le peuple de Rome va élire en face de ce pontife officiel un autre pontife officiel qui est Sylvestre III, qui lui est issu de la branche des Crescentius, c'est-à-dire une branche cadette de la dynastie des comtes de Tusculum. Mais Benoît IX va revenir avec l'armée des comtes de Tusculum pour renverser Sylvestre III qui va s'enfuir. Au bout de quelques années, Benoît IX va en avoir marre d'être, entre guillemets, pape. Donc que va-t-il faire ? Il va vendre sa charge épiscopale à son successeur pseudo-pape, à savoir Grégoire VI. Donc là, on est vraiment dans une période de désordre dans l'Église. Comment cette période de désordre va-t-elle prendre fin ? C'est très simple. Des clercs vont aller voir le roi Henri III de Germanie, et vont lui demander d'inciter le pape officiel, qui est Grégoire VI, à réunir un concile qui mettra de l'ordre dans tout ça. Donc en 1046, se réunit le concile de Soutry. Et au concile de Soutry, Benoît IX va se faire déposer, Sylvestre III va se faire déposer, et le pape officiel, Grégoire VI, est incité à abdiquer sa charge parce qu'il a été entre guillemets, il est devenu pape par un biais simoniaque. Donc ce concile de Soutry a déposé trois imposteurs. Suite à cela, les pères conciliaires ont élu donc un véritable pape, le pape Clément II, qui est un pape allemand. Et pour ce faire, les pères conciliaires ont transgressé une loi canonique de l'époque, une loi disciplinaire de l'époque, selon laquelle seul pouvait être pape un prêtre qui avait été ordonné dans le diocèse de Rome. Ce qui n'était pas le cas de Clément II. Mais vous voyez donc là, dans des cas de nécessité, eh bien, l'Église a jugé qu'elle pouvait passer outre cette loi disciplinaire. Donc, si vous prenez ces trois règnes de ces trois faux papes, Benoît IX, Sylvestre III et Grégoire XVI, on en arrive à 13 années de vacances de siège. C'est ce que l'abbé d'Arras appelle l'éclipse
du pouvoir pontifical. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le pape Victor III, alors qu'il n'était que clerc, enfin que simple clerc, parlait, je cite, des pontifes qui n'en avaient que le nom seul. Des pontifes qui n'en avaient que le nom seul, vous suivez mon regard. Hein. Et dans une lettre à son évêché, le pape Clément II déclare que ses trois prédécesseurs, donc, entre guillemets, hein, puisqu'ils étaient illégitimes, avaient acquis donc leur charge par le vol. Voilà. Donc 13 ans de vacances de siège. Restons un instant sur les usurpateurs. Je vais en évoquer deux autres. Connaissez-vous, Pierre de Tirmont, le concile cadavérique? Non. C'est l'un des événements les plus sordides de l'histoire de l'Église. Le pape officiel de l'époque, Étienne VI, est allé déterrer le corps d'un pape qui était son ennemi à l'époque, le pape Formose. On a déterré son cadavre et on l'a jugé comme si c'était une personne vivante en l'interrogeant, etc. Et au final, il a été condamné et son corps a été jeté dans le Tibre. Bon. Comment en est-on arrivé là? En 896, le parti féodal des Spolettes place à la tête de l'Église un faux pape, l'usurpateur Boniface VI. Donc c'est un usurpateur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pape légitime en face. Mais le marquis de Toscane Albert II va s'emparer de Rome, ce qui va faire que Boniface VI va dégager. Et il va mettre à la place son candidat, à savoir le faux pape, Étienne VI. Le cardinal Baronius, donc ce même cardinal et historien du XVIe siècle, nous dit qu'un intrus fut substitué à un intrus. Voilà. Donc Étienne VI est substitué à Boniface VI. Alors ce qui est intéressant avec Boniface VI, par ailleurs, c'est qu'en 898, il y aura un concile de Rome dans lequel on établira que son élection est invalide et donc qu'il n'est pas pape. Voilà. Et donc c'est ce Étienne VI qui a fait le concile cadavérique. Donc les gens qui essaient de salir la papauté en évoquant le concile cadavérique doivent revoir leur copie, puisque ce n'est pas un pape qui a souillé le corps du pape Formose, qui sera miraculeusement retrouvé par la suite d'ailleurs, c'est un usurpateur qui a profané donc la tombe du pape Formose. L'abbé d'Arras conclut. Il reste donc à jamais établi pour l'histoire impartiale que la responsabilité du plus grand des forfaits dont le siège apostolique est vu l'affligeant spectacle incombe à un intrus porté à main armée sur le trône usurpé de Saint-Pierre. Porté à main armée sur le trône usurpé de Saint-Pierre. Par un tyran féodal et soutenu dans son intrusion par un empereur indigne. Nous n'espérons pas que cet exemple décourage à l'avenir les usurpations, sacrilèges. Mais dans l'avenir, comme dans le passé, le châtiment suivra de près le crime. Avis à qui vous savez. Hein. Et juste une chose aussi concernant les contes de Tusculum, un chroniqueur de l'époque, Bonizzo de Sutri, les surnommait les dévastateurs de l'Église. J'ai trouvé la formule poignante, c'est pour ça que j'ai appelé mon chapitre 6 « Les dévastateurs de l'Église ». Alors vraiment, hein, dans cet ouvrage, on redécouvre les papes sous des visages totalement, enfin, qu'on ne nous a pas appris à connaître. Par exemple, il y a un pape que j'aime beaucoup, c'est le pape Jean X, qui a dû faire face lui-même au comte de Tusculum. Et l'une des caractéristiques du pape Jean X, c'est qu'à la tête des armées italiennes, il a bouté les Sarrasins en dehors de l'Italie. Donc en fait, il fait l'inverse de ce que fait Bergoglio, puisque lui, Bergoglio, fait tout pour islamiser un maximum l'Europe. Et on s'aperçoit que la principale méthode de combat des papes, à travers les siècles, quelles que soient les épreuves qu'ils ont subies, c'est la défense des principes. Bon. J'aimerais vous dire aussi un mot de Grégoire XII, et du fameux grand schisme d'Occident, donc grand schisme qui a duré de 1378
à 1415. Donc en 1378, il y a un schisme, c'est-à-dire qu'il y a un pape légitime et en face un antipape cette fois-ci. Donc un antipape. En 1409, des cardinaux de ces deux obédiences se réunissent pour élire un pape qui serait accepté par tout le monde. Bon. Le problème, c'est que les deux candidats initiaux, donc le pape légitime et l'antipape, refusent de l'admettre et on élit un individu qui sera un nouvel antipape. Bref, donc pour régler le problème, donc à partir de 1409, on a trois personnes qui prétendent être pape. Le pape légitime et deux antipapes. Et on va donc réunir le concile de Constance pour sortir de cette situation. Et l'antipape régnant à Rome à l'époque s'appelle comment ? Là, on voit vraiment que c'est un clin d'œil de la Providence. Il s'appelle Jean XXIII, Balthazar Cossa de son vrai nom. Donc pour sortir de ce chaos, que va-t-on faire ? Donc grâce à l'empereur allemand de l'époque, qui s'appelait Sigismond, Sigismond donc, pardon, va pousser le fameux Jean XXIII à réunir l'Assemblée de Constance, qui n'est à ce moment-là pas encore un consul œcuménique, parce qu'un consul œcuménique ne peut être convoqué que par un pape légitime, et que le pape légitime de l'époque, c'est Grégoire XII. Bon. Et donc, cette Assemblée de Constance, pour sortir de la crise, va décider que les trois personnes qui prétendent être pape doivent abandonner leur charge, et qu'ensuite, on pourrait ainsi élire, eh bien, un pape légitime qui serait accepté par toutes les obédiences. Les deux antipapes, Clément XIII et Jean XXIII, c'est Benoît XIII, je crois. Benoît XIII et Jean XXIII. XIII, hein, pas XVI. Hein. Benoît XIII et Jean XXIII, donc, vont refuser d'abdiquer leur charge. Et ils vont être déposés par l'Assemblée de Constance. Grégoire XII, quant à lui, va accepter d'abdiquer sa charge de pape. Mais, auparavant, il aura convoqué légitimement le concile pour en faire un vrai concile œcuménique. Vous voyez ? Donc seul le pape véritable a accepté d'abdiquer ses pouvoirs. Mais ce qu'il faut retenir de cela, c'est que pour sortir du schisme d'Occident, de cette crise terrible, qu'a fait l'Église ? Elle a rendu le siège vacant. On a rendu le siège vacant pour sortir de cette crise du schisme, du grand schisme d'Occident. Et il faut saluer l'humilité de Grégoire XII, qui a accepté donc d'abdiquer sa charge pour la paix dans l'Église. Voilà. Et donc, il faudra attendre 2 ans après son abdication, en fait, donc, il faudra attendre la mort de Grégoire XII, pour que l'Église réélise un pape légitime, à savoir le futur Martin V. Bon. Alors d'ailleurs, Martin V est accusé par Roberto de Mattei d'avoir ratifié un texte hérétique qui s'appelle Haec Sancta, qui est un produit de l'Assemblée de Constance et non pas du Concile œcuménique de Constance, qui prévoyait que le Concile est supérieur au pape. Et Roberto de Mattei nous dit que c'est une bulle qui s'appelle Inter Cunctas qui ratifie ce texte. C'est rigoureusement faux. La bulle Inter Cunctas vise à condamner Jean Hus et Wycliffe et elle n'a rien à voir avec ce texte Haec Sancta. C'est pour vous dire la façon dont Roberto de Mattei opère. Hein. Mais vous verrez que c'est un massacre à la tronçonneuse. Hein. C'est un ouvrage qu'à certains égards, on peut rapprocher de Mondrefus. Alors vraiment, je parle d'énormément de choses hein, dans cet ouvrage. D'énormément de papes. Bon, je parle des papes de l'Antiquité qui sont accusés d'hérésie, et je tords le cou à tout cela. Je l'ai déjà dit à ce micro, mais vous voyez, Roberto de Mattei accuse Saint-Libert d'avoir abjuré le catholicisme pour l'arianisme. Or, nous avons un texte de Pie IX, qui s'appelle, je crois, Quartus Supra de mémoire, dans lequel il nous dit que Saint-Libert, pardon, n'a jamais condamné Saint-Athanase et n'a jamais communié avec les Ariens. Donc, c'est-à-dire que Roberto de Mattei et ses partisans travaillent à convaincre les gens que l'Église s'est trompée et que Pie IX s'est trompé. C'est tout de même curieux pour des gens qui se disent catholiques. Hein. Donc je parle des comtes de Tusculum, je parle de Pascal II, qui combat courageusement le Néron de Germanie, je parle de Jean XXII,
Eugène IV, les papes de la Renaissance, dont, sur lesquels on a dit tout et n'importe quoi. Peut-être qu'un jour, je reparlerai du fameux Alexandre VI Borgia, qui certes a commis des péchés, mais qui a été victime aussi d'un grand nombre de calomnies. Je reviens sur les causes de la réforme et sur Léon X. Ah oui, ça faut que j'en parle. La destruction des jésuites. Le pape Clément XIV a mis un terme à l'ordre des jésuites en 1773. Pourquoi l'a-t-il fait ? Le vrai coupable, ce sont les Bourbons. C'est la maison de Bourbon, de France, d'Espagne, du royaume des Deux-Siciles et du duché de Parme, qui toutes, et aussi le Portugal, donc toutes ces grandes puissances catholiques, ont fait une pression monumentale sur la papauté pour abolir les jésuites, qui étaient un rempart face aux Lumières, face aux jansénistes, face aux Gallicans, face au philosophisme, etc. Donc Grégoire XIV a cédé parce que ces puissances-là allaient jusqu'à menacer de schisme si les jésuites n'étaient pas abolis. Bon. Mais Clément XIV a agi, je dirais, finement. Pourquoi ? Parce qu'il a donné la portée la plus faible possible à son acte. Il a fait un simple bref. Dans ce bref, on ne condamne pas les jésuites pour leur doctrine, leur morale, rien du tout. On dit simplement qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de les conserver. Enfin, on ne peut pas conserver la paix dans l'Église si on ne les supprime pas. À cause, je le répète, de la pression mise par ces couronnes catholiques. Enfin, qui prétendent l'être. Hein. Bon. Donc, aucune mise en cause sur le fond, j'entends, des jésuites. Voilà. Et ça permettra, quelques décennies plus tard, à Pie VII, eh bien, de restaurer l'ordre des jésuites. Donc la morale de ça, c'est quoi ? C'est que les sociétés, malheureusement, étaient mûres pour la Révolution française. Parce que quand on voit l'acharnement méphistophélique des couronnes dites catholiques pour détruire l'un des plus grands remparts de la papauté, on voit que là, la société était complètement pourrie. Bon. Et ça m'amène à une citation du cardinal Ergen Rotter au sujet de la Révolution française. Il nous dit ceci. La France était déjà décatholicisée de fond en comble, notamment par l'absolutisme royal, par l'arbitraire des parlements, par le gallicanisme et le jansénisme, par la philosophie à la mode et l'incrédulité qui triomphait dans la science comme dans la presse. La France qui enfanta la Révolution n'était pas catholique. Il n'y avait de catholiques en France que ceux qui allaient être les victimes de la Révolution. La cour, la noblesse, la magistrature n'avaient guère conservé que le dehors de la religion, les formes extérieures de l'Église, sans conviction vivante. Ces formes dépourvues de leur substance parurent bientôt ridicules. On chercha à se débarrasser d'une contrainte onéreuse. La lecture des auteurs païens et des modernes libres penseurs y vint en aide. L'incrédulité ne demeura pas le privilège des hautes classes. Les couches inférieures de la société qui avaient une foule de griefs, subirent de plus en plus son influence. Elles écoutèrent avidement ce qui faisait des rois et des prêtres les ennemis de l'humanité et attisaient la haine contre l'ancien ordre des choses, sous quelque forme qu'il se présentât. Donc la France qui a fait la Révolution n'était pas catholique. Comme quoi, la morale de l'histoire, c'est que c'est l'anthropologie qui fait l'histoire. Voilà. Et si nous recatholicisons l'anthropologie française, eh bien les choses, d'une façon ou d'une autre, mécaniquement, se remettront dans l'ordre. Alors, je traite de Pie VI, puisque Roberto de Mattei l'accuse d'être resté muet, enfin de ne pas avoir donné à Louis XVI, la consigne de ne pas ratifier la Constitution civile du clergé. Or, c'est faux. Et donc, je suis amené à traiter dans cet ouvrage, justement, de cette fameuse Constitution civile du clergé de novembre 1790. Et cette Constitution fait plonger la France véritablement dans le schisme, puisque cette constitution vise à ce que le clergé de France ne prenne plus d'ordre de la part de Rome. Et vous savez que l'une des caractéristiques du clergé, c'est qu'il est soumis. Petite parenthèse, excusez-moi, je reviens un peu en arrière, mais quand Clément XIV a aboli l'ordre des jésuites, les jésuites se sont soumis. N'est-ce pas, messieurs les lefévristes, qui pratiquaient l'insoumission envers celui que vous considérez
comme le successeur de Saint-Pierre. Pardon pour la parenthèse. Donc vous disais-je, en novembre 90, tel l'Empire byzantin en 1054, la France se jette dans le schisme avec cette fameuse constitution civile du clergé. Et à ce moment-là, l'Assemblée constituante demande aux clercs qui sont députés de venir prêter serment à la tribune, un serment de fidélité donc, à la constitution civile du clergé. Tous les clercs situés à gauche se lèvent et un à un vont prêter serment sur cette constitution schismatique. Mais ensuite, on demande aux députés et aux députés clercs de droite de venir prêter serment. Et les trois premiers donc, qui prennent la parole, Monseigneur Bonnac, évêque d'Agen, le curé de son diocèse, l'abbé Leclerc, et Monseigneur Saint-Aulaire, eh bien, refusent de venir signer, ce qui crée, enfin de venir prêter serment, ce qui fait un scandale. Le clergé qui est à droite donc, se lève et applaudit, et annonce qu'il ne prêtera pas serment à cette constitution schismatique. Donc, l'Assemblée est étonnée hein, de cette résistance, et la foule est surexcitée. Elle menace de pendaison les clercs qui refusent de prêter serment sur cette constitution, en fait, qui refusent d'abjurer. C'est ça qui est en jeu. Donc, l'infâme abbé Grégoire monte à la tribune, il essaie de calmer les clercs de droite et leur dit « Mais vous inquiétez pas, il n'y a rien qu'on demande qui soit contre la religion. » Les clercs de droite disent « Bon, bah si c'est le cas, nous demandons que l'Assemblée prenne des décrets qui établissent que effectivement, il n'y aura rien contraire à la foi catholique. » L'Assemblée refuse. Et au lieu de ça, eh bien, on insiste pour que les clercs de droite donc effectivement reviennent prêter serment à la constitution civile du clergé simplement en se levant. Donc on se lève, on s'avance et on prête serment. Que va-t-il se passer, nous dit l'abbé d'Arras. Pas un seul ne s'avance, pas un seul ne se lève. Honneur soit au clergé de France. Il n'y a rien de plus beau dans l'histoire de l'Église. Donc j'évoque donc, le cas de ces prêtres réfractaires. Hein, sur 70 000 prêtres, 46 000 refuseront de jurer. Et on sait que la Révolution française va massacrer un grand nombre de clercs. Je tiens à rendre hommage aux prêtres réfractaires. De même, je rends hommage à Piscis, hein, qui est mort. En fait, Piscis s'est fait tuer par la Première République. Puisqu'on a exilé Piscis alors qu'il était extrêmement âgé et extrêmement malade. Voilà. Donc, je rends hommage à Piscis, bien entendu. Alors, petite citation de Mgr Fèvre que j'aime bien. « Répudier le gallicanisme, ce n'est pas seulement faire envers l'Église acte de foi et de piété, c'est faire encore acte d'intelligence et de dévouement au service de la patrie. » J'évoque aussi longuement Pie VII que vous retrouvez en couverture qui s'est opposé à Napoléon. Puisque Roberto de Matteis, avec d'autres, accuse Pie VII d'avoir signé un deuxième concordat avec Napoléon qui méconnaîtrait les droits du Saint-Siège. Ceci est rigoureusement faux. Pie VII, sous pression, a simplement signé un document préliminaire qui n'avait absolument pas vocation à servir de concordat et qui avait vocation à être un simple document de négociation. Voilà. Et Pie VII donc a défié Napoléon et il a refusé de se laisser piétiner par Napoléon. Il a refusé en défendant les principes. Donc la méthode d'action de la papauté, c'est la défense des principes. Voilà. Donc, Mgr Fèvre conclut à ce sujet de Pie VII. Il nous dit « Il a été bon aussi que le pontife romain, timide et prisonnier, parut cependant à la face du monde le seul prince que Bonaparte n'ait pas su contraindre à l'abandon d'un devoir. Quand l'Angleterre ourdissait tant de mensonges et soldait tant de défections, quand l'orgueilleuse Autriche donnait la main d'une archiduchesse à l'époux divorcé de Joséphine, ce pape captif, ce souverain détrôné, ce pauvre prêtre, regardant son crucifix après avoir écouté les messages impérieux de la toute-puissance humaine, répondait « Non, je ne donnerai pas ma conscience pour retrouver ma couronne, non possumus.
Le monde avait besoin de cet enseignement si humble et si fier. Alors aussi, l'une des leçons de ce livre, c'est que la papauté a toujours défié les puissants. Napoléon a été excommunié par Pie VII. Les empereurs germaniques, alors qu'ils étaient les personnages les plus puissants d'Occident et donc du monde, se sont confrontés au pape. Pareillement, le pape Vigile s'est opposé à l'empereur Justinien et Saint-Libert s'est opposé à l'empereur Arien Constance. Voyez. Et donc là, c'est très intéressant de voir la différence entre les papes catholiques et les pontifes conciliaires. Les papes catholiques font la guerre au monde. Le monde, c'est, c'est le monde qui n'est pas soumis à l'évangile, voyez. Donc, et d'ailleurs, je crois que c'est dans les Épîtres de Saint Jean qui dit « Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui ». Donc les papes ont toujours combattu les maîtres du monde. Toujours, quand les maîtres du monde méconnaissaient les droits de l'Église. En revanche, la secte conciliaire, elle, est conciliante envers le monde. Et elle collabore avec le monde. Et on le voit aujourd'hui. Bergoglio collabore à 10 000% avec l'oppression covidiste. Les pseudo-évêques de France collaborent à 10 000% avec le rapport Sauvé qui est un scandale, puisqu'ils cherchent à insulter, à diffamer le nom de l'Église catholique, en prétendant qu'il y a une responsabilité structurelle de l'Église concernant la pédophilie. Quel scandale! Et les prêtres, les faux évêques conciliaires vont cirer les pompes de ces francs-maçons, de ces gauchistes, pour insulter le nom, pour souiller le nom de l'Église catholique. Mais honte à eux! Honte à eux! Le rapport Sauvé est un scandale. Mais la secte conciliaire, qui est là pour exterminer l'Église, comme si c'était possible, eh bien, se plie aux injonctions du monde. Voilà la grande différence. Les papes catholiques combattent les maîtres du monde. La secte conciliaire est couchée devant les maîtres du monde quand ceci lui permet, bien entendu, de combattre l'Église catholique. Mais nous reparlerons du rapport Sauvé dans des émissions ultérieures. J'en dis pas plus pour le moment. Alors aussi, oui, un mot. Il y a un pays qui prend un peu cher dans mon livre, c'est les Anglois. Hein, enfin, c'est l'Angleterre. Parce que je suis contraint de parler du schisme d'Henri VIII, parce que c'est un ouvrage qui est traversé par l'histoire de l'Europe. Hein. Et alors, attendez, je vais essayer de retrouver les citations, là. Petite citation, je crois que c'est l'abbé Bareille, de mémoire. C'est ça, oui. Alors, Henri VIII, donc c'était le roi d'Angleterre, qui à la base était un roi catholique, et qui est devenu protestant pour pouvoir divorcer de sa femme légitime et pour pouvoir épouser Anne Boleyn. Donc en fait, l'Angleterre est tombée dans le schisme parce que monsieur n'arrivait pas à contenir ses pulsions. C'est le schisme le plus affligeant de l'histoire, je crois. Alors, citation de l'abbé Bareille. La rupture ne fut pas au surplus le fait du roi seul. Le clergé, la noblesse, la bourgeoisie, le peuple, ce fut à qui rivaliserait de flatterie devant ce lâche prince et cette femme vile. Il n'y a pas dans l'histoire des peuples chrétiens un plus triste exemple d'abdication de dignité nationale. Un plus triste exemple d'abdication de la dignité nationale. Si Saint-Pierre eût été crucifié à Rome de leur temps, tous ces gens-là seraient allés vers Néron. Autre citation. Que faut-il penser de cet événement? Un schisme motivé par un divorce, un peuple qui serait resté fidèle si son prince n'avait pas été un misérable et qui devint apostat parce que son roi ne veut pas renvoyer une concubine. C'est le comble de la déraison et de la bassesse. On s'explique, sans les excuser, des schismes fondés sur l'orgueil national. Un schisme fondé sur la turpitude d'un seul homme, la turpitude de tous, cela ne saurait se comprendre. Un peuple vil est une monstruosité dans l'histoire. Le pape Clément VII, pour ne pas bafouer les droits sacrés du mariage, donc, a défendu les principes face à Henri VIII et il a refusé de transiger en annulant son mariage. Dernière citation de l'abbé Bareille. L'Église n'a vaincu les passions qu'en ne reculant jamais. En présence d'Henri VIII, elle a mieux aimé sacrifier une nation pour un temps
que de sacrifier à la lubricité d'un prince un sacrement de la Sainte Église. Je répète. Elle a mieux aimé sacrifier une nation pour un temps que de sacrifier à la lubricité d'un prince un sacrement de la Sainte Église. Une telle résolution n'en est pas moins un deuil pour le cœur de l'Église. Et effectivement, c'est une catastrophe parce que ce que l'Espagne a fait en Amérique du Sud en matière d'évangélisation, eh bien l'Angleterre ne le fera pas en Amérique du Nord. Alors néanmoins, je mets un bon point aux Anglois. Pourquoi ? Parce que lorsque les prêtres réfractaires ont été persécutés en France, beaucoup ont dû quitter la France, et les Anglois en ont accueilli 8000. 8000. Donc beaucoup. Et ils ont été relativement bien accueillis. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut mettre à leur crédit. Voilà. Et dédicace aussi aux baies de Tunis. Pourquoi ? Parce que lorsque Pie VI était fait prisonnier par le directoire, eh bien, je ne sais plus si on dit le B ou le D de Tunis, a offert un beau cadeau, au pape Pie VI. Et dans une lettre, il s'excuse de ne pas lui offrir un cadeau encore plus beau. Voilà. Donc pendant que la Première République persécutait et presque mettait à mort le pape Pie VI, qui était un vieillard à ce moment-là, eh bien le D de Tunis se comportait mieux, voilà, que la Première République française. Donc le directoire a persécuté Pie VI et Napoléon, et j'ai découvert, hein, parce que je savais que c'était un révolutionnaire, mais je ne savais pas à quel point il avait été un persécuteur de l'Église. C'est-à-dire qu'à son retour de la campagne de Russie, monsieur n'a rien d'autre à faire que d'essayer d'arracher le pouvoir de désigner les évêques à consacrer. Il n'a rien d'autre à faire. C'est sa priorité. Donc il y a vraiment une inspiration diabolique, hein, chez Napoléon. J'ignorais à quel point il avait été un persécuteur de l'Église. Vous serez surpris, cher lecteur. Je pense comme moi je l'ai été. Enfin, sauf pour ceux qui connaissent très très bien leur classique, bien sûr. Bon. Donc voilà pour ce qui est de la partie historique. Et cette partie historique, je vous l'ai dit, pour Roberto de Mattei, qu'il l'ait fait consciemment ou pas, visait à rabaisser la papauté pour toujours essayer d'insinuer que, eh bien, ce que nous vivons aujourd'hui, enfin ce que nous vivons depuis 1958, a des racines, si vous voulez, dans le passé. Alors vous voyez, donc je reprends toutes les accusations de Roberto de Mattei, et là, hop là, vous voyez, hop, je reprends une à une et je démontre, enfin je fais la synthèse pour montrer que elles ne tiennent pas. Et on essaie de trouver des pseudo-équivalents, comme je le dis, hein, en matière pastorale par exemple, on essaie de trouver des pseudo-équivalents aux prières des pseudo-pontifs conciliaires, donc dans des temples hérétiques, schismatiques, talmudiques ou mohammedans, aux rencontres interreligieuses d'assises, à l'imposition sur le front de Vosilla Jean-Paul II du signe des adorateurs de Shiva le 2 février 1986, au baiser de Vosilla sur le Coran le 14 mai 1999, à la déclaration ubuesque de Vosilla, donc le 21 mars 2000 en Jordanie, que Saint Jean-Baptiste protège l'islam. Donc que Saint Jean-Baptiste protège la religion qui est qualifiée dans le Concile de Florence de secte abominable de Mahomet. Comme c'est crédible, un pontife ne peut pas s'exprimer de la sorte. J'aurais pu évoquer aussi la statue de Martin Luther, dans la salle Paul VI en octobre 2016, ou les discours homophiles à répétition de Bergoglio, ou l'intronisation à Rome du démon Pachamama lors du synode sur l'Amazonie. Donc, Roberto de Mattei, qu'il l'ait fait exprès ou pas, nous présente des papes comme étant des hérétiques, des lâches, des faibles, des serviles, aux morts dissolus, etc. Bon. Et tout ça vise à préparer le terrain de la fausse religion qu'est le traditionalisme. Donc, dans ma deuxième partie de livre, je traite de la question doctrinale et je réfute cette religion traditionnaliste. Je vais aller rapidement là-dessus, parce que je l'ai déjà un peu évoqué dans le passé, et je le réévoquerai davantage à l'avenir. L'idée est la suivante. Comment synthétiser cette religion traditionnaliste ? Eh bien, c'est simple. C'est la religion qui professe que les portes de l'enfer ont vaincu l'Église, puisque les portes de l'enfer, puisque l'erreur, nous disent les traditionalistes, est professée par l'Église. Cette fausse religion a trois piliers. La négation du magistère ordinaire de l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, la négation de la soumission due au pape,
et la négation du fait que Pierre est la colonne de la foi. Selon les traditionalistes, c'est le sensus fidei, la colonne de la foi. Alors l'idée, c'est que Roberto de Matteis plaide, et il écrit ça, qu'il est possible qu'il y ait une contradiction entre la tradition, qui est donc une des deux branches de la révélation, et le magistère de l'Église. C'est une absurdité. Pourquoi ? Le magistère de l'Église est l'explicitation de la révélation, donc des saintes écritures et de la tradition. Il n'est pas possible que l'explicitation de la tradition vienne contredire la tradition. Ça n'a aucun sens. L'explicitation du vrai ne peut pas venir contredire la source du vrai. Ça n'a aucun sens. Alors par ailleurs, donc, Roberto de Matteis prétend que lorsqu'il y a ce genre de contradiction entre, je répète, donc, la tradition et le magistère, il prétend que les catholiques ont un légitime devoir de désobéissance. Et ce alors que le Concile Vatican a nous dit que tout catholique est soumis au pape en matière de foi, en matière de mœurs, en matière de discipline et en matière d'actes de gouvernement. Ce rappel de Vatican est problématique pour les traditionalistes, puisque toute leur praxis repose, enfin en particulier sur les fébristes, hein, puisque toute leur praxis repose sur la désobéissance, ce qui n'est pas catholique. Hein. Les cristéros ont obéi au pape, les jésuites ont obéi au pape quand on a ordonné leur dissolution, il faut obéir au pape. Voilà. Un catholique obéit au pape. Les nonunacum désobéissent à Bergoglio parce que nous ne considérons pas qu'il est pape. Nous sommes en cohérence avec la foi. Et donc, Roberto de Matteis, il retenait bien ça parce que c'est important pour ce que j'appelle le complot manqué. Roberto de Matteis prétend que lorsqu'il y a cette contradiction entre la tradition et le magistère, et que le pape est hérétique, l'intéressé ne semble pas se soucier du fait que le magistère enseigne qu'un pape ne peut pas être hérétique. Roberto de Matteis enseigne que les catholiques mus par le sensus fidei ont le devoir de constater l'hérésie du pontife et de le déposer. De déposer le pontife hérétique dont on constate l'hérésie. Donc, pour les traditionalistes, le rempart de la foi, l'ultime rempart de la foi, donc la colonne de la foi, comme dit le magistère, ce n'est plus Pierre. La colonne de la foi, c'est le sensus fidei des catholiques. Comme le dit Mgr Gaume, c'est un renversement de la constitution divine de l'Église, parce que c'est Pierre qui confirme dans la foi, ce n'est pas les catholiques qui confirment Pierre dans la foi. J'en arrive maintenant à la conclusion de mon livre, qui est un peu longue, et qui est consacrée à l'actualité. Et c'est ce que j'appelle l'hypothèse du complot manqué. Alors, d'abord, il faut que je vous explique ce que sont les communautés Ecclesia Dei. Mgr Lefebvre a lancé la Fraternité Saint-Pédis en 1970, et en 1988, Mgr Lefebvre va sacrer, contre la volonté des autorités conciliaires, 4 évêques. Et suite à cela, Mgr Lefebvre va être, entre guillemets, excommunié par la secte du salut universel. Et là, je le dis solennellement, l'honneur de Mgr Lefebvre, c'est son excommunication par la secte du salut universel. Je répète, l'honneur de Mgr Lefebvre, c'est sa pseudo-excommunication par la secte du salut universel. Bon. Suite à ces sacres, des lefévristes vont rompre avec Mgr Lefebvre et ils vont rallier la secte conciliaire sur le fondement du motu proprio Ecclesia Dei. Et c'est comme ça que sont nés la Fraternité Saint-Pierre, l'Institut du Christ-Roi, et plus tard, l'Institut du Bon Pasteur. Ces mouvements Ecclesia Dei sont des soupapes de sécurité de la Révolution. Qu'est-ce que j'appelle une soupape de sécurité de la Révolution ? Ce sont des entités qui font une critique partielle de la Révolution qui ne va jamais jusqu'à la rupture. Et grâce à cela, on peut attirer des personnes qui étaient initialement des forces de contestation potentielles de la Révolution. Donc les mouvements Ecclesia Dei ont permis de maintenir dans le giron révolutionnaire, donc dans le giron conciliaire, des individus qui autrement auraient défendu la foi catholique et seraient devenus des catholiques. Bon. Donc ces mouvements Ecclesia Dei ont reçu le droit de continuer à dire la messe Saint-Pie V et d'enseigner le catéchisme de Saint-Pie X. Mais officiellement, ils acceptent Vatican II.
Alors je précise que les messes, généralement, dans ces groupes ne sont pas valides, sauf, bien sûr, chez les prêtres de la Fraternité Saint-Pilice qui étaient validement ordonnés et qui sont passés dans ces communautés. Mais les jeunes prêtres, les nouveaux prêtres de la fraternité de ces groupes-là, Ecclesiadei, ont été ordonnés par des faux évêques dans le cadre du rite Paul VI. Ce ne sont pas des clercs valides, donc leurs sacrements ne sont pas valides, leurs confessions ne sont pas valides et leurs messes ne sont pas valides. Donc ces communautés Ecclesiadei, pendant longtemps, ont été utiles pour neutraliser la résistance. Et d'ailleurs, ça, il faut que je... Peut-être que je revienne dessus. Mais à quoi, au fond, sert cette religion gallicane? Cette religion gallicane, elle sert ni plus ni moins à neutraliser la résistance. Puisque pensez bien que la plupart des gens qui sont critiques envers Vatican II sont encore en communion avec la secte qui en est issue, si vous voulez. Donc c'est quand même un léger problème. Hein. Permettez-moi une petite citation avant que je revienne sur les Ecclesiadei. Comment expliquer cette communion de la part d'individus et de groupes religieux qui multiplient parfois les critiques contre le magistère et la hiérarchie conciliaire? La mauvaise foi n'explique pas tout. La mauvaise foi, les infiltrations, pardon, et l'ignorance n'expliquent pas tout. La cause numéro un est l'aveuglement. Et la source de cet aveuglement est la religion traditionnaliste. C'est parce qu'on enseigne aux fidèles une religion dans laquelle l'Église peut s'abstenir de prêcher la vérité, et dans laquelle on peut désobéir au pape, que ces derniers y croient et le répètent. L'esprit des fidèles traditionnalistes est travaillé pour qu'ils considèrent le naufrage conciliaire comme compatible avec la foi. Là où un esprit catholique voit une secte dans les autorités conciliaires, l'esprit traditionnaliste y voit l'Église instituée par Jésus-Christ. Là où le catholique comprend qu'il a affaire à des imposteurs lorsqu'il relève une hérésie dans un texte du magistère conciliaire, le traditionnaliste se dit qu'il est théologiquement possible qu'un pape se trompe dans le cadre de son magistère ordinaire et universel. Là où un catholique rappelle que pour le salut de son âme, il est nécessaire d'être soumis au pape, le traditionnaliste l'accuse d'ultramontisme et désobéit allègrement à celui qui est, selon lui, le successeur de Saint-Pierre. En résumé, pour les traditionalistes, l'Église peut tromper et se tromper, ce qui signifie, je le répète, que les portes de l'enfer ont triomphé. Selon la foi, il n'est pas possible que l'Église agisse comme la secte conciliaire. Mais le traditionaliste, dont l'esprit est pollué par son hérésie gallicane, lui, ne voit aucune incompatibilité. Si, selon la foi, il n'est pas possible que l'Église professe le faux, alors nous sommes face au choix suivant. Soit la foi se trompe, soit le réel est mal décrit. Les traditionnalistes, sans formuler les choses ainsi, sont persuadés que la foi se trompe et qu'il est possible que l'Église, instituée par Jésus-Christ, enseigne le faux. Les catholiques leur répliquent que le réel est mal décrit. Ce n'est pas l'Église qui enseigne le faux, mais la secte du salut universel. La grande finalité de l'hérésie traditionnaliste est donc de maquiller le réel, de masquer l'hérésie conciliaire en lui donnant un brevet de catholicité. L'hérésie traditionnaliste permet ainsi de maintenir hors de l'Église des âmes désireuses de lutter contre Vatican II. Autrement dit, l'hérésie traditionnaliste est un pilier de la secte du salut universel car elle permet de neutraliser la résistance. L'hérésie traditionnaliste est un pilier de la secte du salut universel car elle permet de neutraliser la résistance. Alors, donc, là, je vise, disant cela, principalement la Fraternité Saint-Pédis, les groupes Williamsoniens et les groupes Ecclesiadei. Étant précisé que les groupes Ecclesiadei sont un peu moins tombés dans le gallicanisme. Ces groupes Ecclesiadei ont donc été très utiles à la secte conciliaire, puisqu'ils ont contribué, avec la Fraternité et les groupes Williamsoniens, à neutraliser la résistance catholique. Bon. Les choses ont cependant commencé à changer. Je rappelle que Roberto de Matteis a théorisé le fait qu'on pouvait déposer un pape hérétique au nom du Sensus Fidei. Le 19 mars 2016, Bergoglio promulgue son exhortation apostolique Amoris Laetitia, qui est officiellement un texte du magistère ordinaire et universel de l'Église, et qui donc officiellement est infaillible en matière de foi et de mœurs.
Et que se passe-t-il dans cette encyclique ? Indépendamment du fait que Bergoglio cite en référence le cinéma danois, Martin Luther King et je ne sais plus trop qui, Bergoglio, dans cette encyclique, autorise les divorcés, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas divorcer quand on est marié légitimement, hein, quand on est catholique, hein, les divorcés remariés civilement à communier. Donc Bergoglio autorise des concubins, c'est-à-dire des gens qui sont objectivement en état de péché mortel, à communier. C'est une violation gravissime de la morale catholique. Et autant la secte conciliaire s'était attaquée à la foi, elle ne s'était pas attaquée à proprement parler à la morale catholique. Là, pour la première fois, on s'attaque à la morale catholique, et ce, sans qu'on puisse maquiller cette agression par des sophismes, comme on peut le faire sur les grandes hérésies conciliaires. Donc là, il y a des membres de la secte conciliaire qui s'inquiètent. Certains, de bonne foi, s'inquiètent par la violation de la morale catholique, et d'autres s'inquiètent parce que la cadence de la révolution, la cadence qui assure un maximum de sécurité à la révolution, est une cadence lente. Or là, Bergoglio fait un énorme pas en avant en matière de violation de la religion catholique. Alors, suite à cela, en septembre, il va y avoir ce qu'on appelle les Doubia. Quatre pseudo-cardinaux conciliaires vont poser des questions à Bergoglio pour interpréter le sens d'Amoris Laetitia. Et ces questions sont des pièges. Pourquoi ? Parce que si Bergoglio répond oui, il se déjuge et il revient donc sur Amoris Laetitia, mais s'il répond non, il reconnaît ouvertement violer la foi catholique. Exemple de Doubia. Après Amoris Laetitia, est-il encore possible d'affirmer qu'une personne qui vit habituellement en contradiction avec un commandement de la loi de Dieu, comme par exemple celui qui interdit l'adultère, se trouve dans une situation objective de péché grave? Bergoglio ne peut pas répondre à ça. Parce que comme je lui dis, s'il répond oui, il se déjuge, et s'il répond non, il reconnaît qu'il n'est pas catholique. Il est coincé. En décembre 2016, suite au silence de Bergoglio, ces Doubia vont être présentés publiquement dans le cadre de l'Institut Les Pentes. Qui est à la tête de l'Institut Les Pentes ? Roberto De Mattei. Donc quelqu'un qui professe qu'on doit déposer un pape lorsqu'on constate son hérésie, présente dans son institut des textes qui amènent, enfin des Doubia qui amènent à conclure que Bergoglio est hérétique. Vous imaginez bien que Bergoglio ne voit pas ça d'un très bon œil. Le 30 et 31 mars 2017, à Sceaux, se tient un colloque sur la déposition d'un pape hérétique. Alors, petite parenthèse, un pape ne peut pas être hérétique, je l'ai dit mille fois et je le répète, et il est impossible de déposer un pape, puisqu'il est de foi, que le siège de Saint-Pierre ne peut être déposé par personne. Il n'y a pas d'exception à ce principe. Mais néanmoins, eh bien, nos universitaires conciliaires débattent de cela. Et les intéressés veulent insérer dans le code de droit canon une procédure de déposition du pape hérétique, en se fondant sur la collégialité. Et les gens qui sont à la tête de ce colloque, notamment M. Cyril Louneau, sont proches des mouvances Ecclesia Dei. À l'instar de Roberto De Mattei. Maxence Eckart a fait la critique de ce colloque. Je renvoie à son ouvrage Controverse, que vous pouvez vous procurer sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarme. Poursuivons. En août 2017, 62 prélats et théologiens conciliaires adressent une correction filiale à Bergoglio, qui est rendue publique le 24 septembre. Et dans cette correction filiale, les conciliaires, une fois encore, nous disent que Amoris Laetitia propage l'hérésie. Donc des gens qui ont théorisé qu'on devait déposer un pape hérétique disent à Bergoglio qu'il est hérétique. Donc là, Bergoglio commence à avoir les oreilles qui chauffent un peu. Bon. Poursuivons. Au mois d'août 2018, l'abbé Vigano, qui est encore Monseigneur Vigano, entre guillemets, va lancer une bombe. Monseigneur Vigano s'est rapproché de laïcs américains conservateurs qui se sont radicalisés sous l'ère Obama. De riches laïcs, comme M. Tim Bush, par exemple, ou comme M. Tom Monaghan, qui est le créateur de Domino Pizza. Et sous l'influence de ces gens-là et des mouvements séclésadis, l'abbé Vigano va appeler à la déposition, à la démission de Bergoglio. Pourquoi ?
à cause du pseudo-cardinal McCarrick. Le pseudo-cardinal McCarrick était un inverti qui avait abusé, c'était un prédateur sexuel qui avait abusé de séminaristes. Celui-ci avait été condamné sous Benoît XVI, mais Bergoglio va le sortir de sa retraite, va le réhabiliter et lui confier des tâches importantes. Donc c'est une collaboration pure et simple avec l'homosexualité et avec la prédation sexuelle. Donc, à ce titre, l'abbé Vigano exprime, ou plutôt donne la conclusion logique de tout ce qui s'est fait depuis les Doubias, à savoir il appelle à la déposition de Bergoglio. Depuis cela, l'abbé Vigano vit caché, hein, et je cite un article du site Church Militant qui s'appelle « The Hunt for Vigano ». Je laisse le lecteur le découvrir. Donc l'abbé Vigano vit caché, mais il continue de combattre la secte conciliaire. Nous y reviendrons dans un instant. Bon. Donc à ce stade, on voit qu'il y a plusieurs démarches qui visent à déposer Bergoglio, tout simplement. Et ça continue en 2019. En avril 2019, une vingtaine de théologiens et d'universitaires conciliaires appellent à la déposition de Bergoglio, et notamment en citant tous les cas de collaboration de Bergoglio avec des prédateurs sexuels. Collaboration ou validation de prédateurs sexuels. Donc il y a tout un mouvement poussé par les réseaux Ecclesia Dei pour faire chuter Bergoglio. Donc Bergoglio devait réagir, de son point de vue à lui, j'entends. Et qu'est-ce que c'est Traditionis Custodes ? Traditionis Custodes, c'est la sanction des factions Ecclesia Dei qui voulaient la chute de Bergoglio pour sauver, malheureusement, le spectre conciliaire. Et la journaliste Diane Montagana donc, nous rapporte que dès le 29 janvier 2020, dans le cadre d'une réunion entre cardinaux conciliaires, il était acté que les réseaux Ecclesia Dei devaient être démantelés, qu'ils devaient disparaître. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que pendant cette discussion avec les cardinaux, enfin entre cardinaux, l'un d'entre eux s'est inquiété de quoi ? Il s'est inquiété du trop grand nombre de jeunes au pèlerinage de Chartres. Pour lui, c'était inquiétant. On voit la teneur de la foi catholique hein, de ces cardinaux. Donc en fait, dès janvier 2020, Traditionis Custodes était dans l'air. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sur le site LifeSite News, apparemment, si ce que ce site annonce est vrai, Bergoglio va mettre de nouveaux supérieurs à la tête des groupes Ecclesia Dei pour les désosser un à un. Quoi. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est Traditionis Custodes ? C'est une mesure de rétorsion contre les mouvements Ecclesia Dei qui complotent depuis plusieurs années pour déposer Bergoglio. Alors, il y a un point positif dans tout ça, c'est que l'abbé Vigano, lui, a continué sur sa lancée. Et l'abbé Vigano a fini par se convertir. Il le dit lui-même dans un article du 4 mai 2021. Enfin, dans un entretien d'ailleurs. Je crois que le don de ma conversion de prendre conscience de la tromperie conciliaire et de l'apostasie actuelle a été possible grâce à ma constante dévotion à la Sainte Mère que je n'ai jamais cessé d'avoir. Avant cela, le 22 avril 2020, déjà, l'abbé Vigano avait demandé à ce qu'on supprime Vatican II, et le 2 juin, il avait fait un texte historique dans lequel il disait qu'il avait été trompé par la hiérarchie d'une église parallèle. Ce texte, d'ailleurs, avait été salué par Mgr Sonborn, qui est un évêque Nanunakum. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, à cette heure, l'abbé Vigano prend des positions, tient un discours et use d'un langage qu'avant lui, seuls des cédévacantistes, donc des catholiques, avaient adopté. Par exemple, l'abbé Vigano désigne Bergoglio par son patronyme. Il ne l'appelle pas Pape François. Il appelle même parfois simplement l'Argentin, avec mépris. Plus important encore, l'abbé Vigano désigne les autorités conciliaires comme une secte. Le 1er octobre 2020, sur le site de Marco Tosati, il parle de secte conciliaire. La même date, sur le site, Inside Over, il déclare « Tout comme le Sanhédrin pensait avoir éliminé le Messie en le crucifiant, de même la secte infâme croit que l'éclipse de l'Église prélude à sa fin. » Le 18 décembre 2020, au quotidien La Verita, il parle de secte bergolienne.
le 23 décembre 2020 sur LifeSite News, il nous dit que donc l'Église catholique sera de plus en plus obscurcie par la secte qui se superpose à elle abusivement. Le 20 avril 2021 sur LifeSite News, il nous dit « Le résultat est la superposition sur la véritable Église d'une secte de modernistes hérétiques. La véritable Église est éclipsée. » Il nous dit aussi ceci « À la Salette, Notre-Dame nous a avertis, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. » Ce ne sera pas la Sainte Église indéfectible par les promesses du Christ qui perdra la foi. Ce sera la secte qui occupe le siège du très bienheureux Pierre. 29 juin 2021 sur LifeSite News, il parle encore de secte conciliaire. Et dans une conférence vue par près de 150 000 personnes sur YouTube, sur la chaîne Caritas in Veritate, il parle à deux reprises de secte conciliaire également. Sachant que dans une conférence du 24 octobre 2020, il avait longuement développé l'idée d'éclipse de l'Église. Donc tout ça, c'est la doctrine de nombre clair de Nounakoum. C'est la doctrine et le vocabulaire de nombre clair de Nounakoum. Alors je précise aussi que le 23 décembre 2020, l'abbé Vigano nous disait que, enfin il disait implicitement qu'il n'était pas en communion avec Bergoglio. Bon. Alors, néanmoins, donc, il est arrivé donc en juillet 2021 que l'abbé Vigano parle au sujet de Bergoglio, je cite, de pape non catholique. Il nous dit que Bergoglio ne se comporte pas comme un pape, qu'il ne parle pas comme un pape, et qu'il a une action constante qui est organisée et planifiée dans un sens diamétralement opposé à l'essence même de la papauté. Il le qualifie donc de pape non catholique. La formule est, selon moi, malheureuse d'ailleurs. Mais, dans le cadre de l'analyse exposée, en disant que Bergoglio ne se comporte pas comme un pape, ne parle pas comme un pape et qu'il agit dans un sens diamétralement opposé à la papauté, l'individu qui est de bonne foi, de bonne volonté et qui est mu par le sensus fidei comprend que Vigano, le lecteur ne peut que conclure que Bergoglio n'est pas pape. Le 31 août 2021, l'abbé Vigano, dans un texte, évoque la renonciation forcée du cardinal Siri au pontificat lors du conclave de 58. Donc en fait, il nous donne. L'abbé Vigano évoque l'une des causes de l'illégitimité de la pseudo-élection du félon Ronquel G23. C'est énorme. C'est énorme. Bref, en résumé, donc, il y a ce que l'abbé Vigano dit déjà, à savoir que l'Église est éclipsée par une secte hérétique et schismatique, et ça, il l'a dit mot pour mot. Donc, qui se fait passer pour l'Église, donc, et qui usurpe ses structures. Et il y a ce que l'abbé Vigano ne dit pas encore, à savoir que Bergoglio n'est pas pape, mais il semble qu'il emmène donc progressivement ceux qui le suivent à cette conclusion. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'en novembre 2019, l'abbé Vigano citait Roberto De Mattei en référence. Mais Roberto De Mattei va finir par attaquer Vigano, notamment parce que l'abbé Vigano dénonce la dictature sanitaire, et je dirais même pire, il dénonce la démocratie sanitaire. Bon. Et pour attaquer l'abbé Vigano, Roberto De Mattei va prétendre que ces textes ne sont pas écrits par lui, mais par un nègre qui serait gay-friendly. Ce qui est totalement ridicule. Surtout que c'est une accusation qui est faite sans preuve. L'abbé Vigano va lui répondre en disant ceci. Je ne peux m'empêcher d'exprimer ma stupéfaction devant les déclarations qu'un illustre intellectuel catholique, salué comme un champion de la tradition et qui n'a pas épargné la hiérarchie de critiques réfléchies et justes, a jugé nécessaire de faire à mon sujet. En réalité, il aurait suffi de me consulter verbalement ou par courrier pour dissiper ses soupçons et se rassurer que tous mes écrits, déclarations et entretiens sont le fruit d'une maturation de conviction dont je revendique fièrement la paternité. L'idée de mon double doit être le fruit d'un conseiller auquel le professeur De Mattei donne du crédit sans se rendre compte qu'en agissant ainsi, il s'exposait à la négation publique d'allégations totalement infondées et qui, si je puis me permettre, semble peu charitable à mon égard. Je profite donc de cet article pour démentir ces thèses audacieuses et imaginatives. En d'autres temps, De Mattei aurait été fier d'être à mes côtés dans la bataille commune pour la vérité catholique, pour la défense du magistère immuable et de la vénérable liturgie traditionnelle contre les assauts des modernistes. Il aurait probablement aussi été à mes côtés pour dénoncer la fraude pandémique et l'immoralité inhérente aux vaccins expérimentaux
produit avec du matériel fœtal issu d'avortement. Ses récentes interventions, sous son propre nom ou sous un pseudonyme, ont montré non sans une grande douleur que s'il y a un double, il faut le chercher dans les derniers écrits du professeur. Des écrits qui semblent être composés par un fonctionnaire gris du régime obéissant au récit dominant et non par l'esprit vif et la foi authentique du dématéri que je connaissais. Voilà, ça s'appelle une frappe chirurgicale. Dématéri va re-répondre d'ailleurs à Vigano, et il va se féliciter que Vigano n'est pas encore explicitement ses vacantistes. Bon, c'est pas les mots qu'il emploie, mais c'est là où il veut en venir. Alors aujourd'hui, très concrètement, l'abbé Vigano est à la croisée des chemins. Le grand risque, c'est qu'il tombe, lui aussi à son tour, dans le gallicanisme. Et donc, le choix qui est fait à l'abbé Vigano aujourd'hui est le suivant. Soit il tombe dans le gallicanisme, soit il se fait sacré par un évêque catholique, et à ce moment-là, il pourra jeter l'anathème, avec d'autres évêques, je l'espère, sur la secte conciliaire. On pouvait craindre que l'abbé Vigano tombe dans le gallicanisme dans un article du 1er octobre 2020, où il parlait, où il faisait des compliments sur la fraternité Saint-Pédis des années 80 en particulier. Mais il faut être intellectuellement honnête, il y a eu du positif. Hein. Je rappelle qu'un grand nombre de clercs nonunacum sont passés par la fraternité Saint-Pédis. Monseigneur Sonborn, par exemple, a été ordonné par Monseigneur Lefebvre. Vous voyez ? Bon. Et en France, dans l'ouest de la France, quasiment tous les prêtres, enfin une grande partie, sont issus de la lignée Lefebvre. Bon. Mais dans ce même texte, dans lequel d'ailleurs l'abbé Vigano louait Monseigneur Lefebvre, et Monseigneur Lefebvre, encore une fois, nous déplorons qu'il ne soit pas allé au bout, mais on lui reconnaît quand même des mérites, il faut être intellectuellement honnête. Hein. Bon. Dans ce même texte, l'abbé Vigano utilisait un vocabulaire cédévacantiste en parlant de secte conciliaire. Et il citait Monseigneur Tine Malaret, mais pour tourner sa référence de façon à la rapprocher à l'éclipse de l'Église dénoncée par les cédévacantistes. Vous voyez ? Bref, à l'heure actuelle, donc, l'abbé Vigano n'a pas succombé aux sirènes du lefévrisme, et c'est une bonne chose. Il semble qu'il s'est rapproché de Mgr Williamson. Et bien là, je le dis, si l'abbé Vigano se rallie à la position de Mgr Williamson, ça sera un gâchis immense. En revanche, si Mgr Williamson sacre l'abbé Vigano et que l'abbé Vigano maintient ses positions, alors là, ça peut être très intéressant. Là, ça peut être très intéressant. Et je ne verrai pas d'un mauvais œil que l'abbé Vigano se fasse sacrer par Williamson. Voilà. Quel que soit ce qui me sépare de lui aujourd'hui. On fait, je dirais, de la politique à partir de la réalité. Hein. Et malheureusement, il n'y a pas 50 évêques à disposition, si je puis dire. Bon. Donc je prie régulièrement pour que l'abbé Vigano se fasse validement sacré et qu'avec d'autres évêques, il lance l'anathème sur la secte conciliaire. Donc en conclusion, si demain l'abbé Vigano abjure pour se convertir au gallicanisme, eh bien nous dénoncerons sa chute. Mais tant qu'il travaille à la démolition de la secte conciliaire, en défendant la foi, eh bien moi, je serai à ses côtés pour l'aider à cela, à ma petite échelle. Voilà. Donc, en conclusion, apologie de la papauté, voilà. Et apologie de la tradition, monsieur Pierre Tirmont, vous connaissez la formule. Poubelle, voilà. La vie est trop courte. Veux-tu que nous passions aux questions ? Allons-y. Alors déjà, remercions Adrien Gaillien pour son don. Merci, c'est toujours les mêmes qui donnent. Hein. Toujours les mêmes. Qui nous dit qu'il y a une cagnotte pour aider un abbé sur le site catholique de France. Bah, allez jeter un coup d'œil et allez aider cet abbé. Merci à Anne-Marie Longo pour son don. Merci au collectif Saint-Robert Berlamin pour son don. En don conséquent. Saluons le CSRB qui fait un gros boulot et qui vient de sortir un bouquin sur le Covid. Est-ce que vous l'avez mis en description ? Je l'ai mis en description. Oh, monsieur Pierre Tirmont est un vrai. Monsieur Pierre Tirmont est un vrai. Et qui nous dit échec et mat, le professeur de Mathéi. Ah oui. Ah bah là, c'est plus qu'échec et mat. Hein. Là, c'est vraiment coup de tête, balayette, manchette, souplesse arrière. Là, c'est, il ne reste rien là. Il y a un petit côté Dreyfus dans mon bouquin. Il y a un petit côté Conrad de Mester face à Saint-Barthrobin, vous voyez. Alors, je précise aussi que la couverture que vous voyez là, donc c'est un dessin original. Hein, vous voyez, aux éditions Altitude, on n'hésite pas à avoir recours à des dessins, à des dessinateurs, dont c'est la profession, ou même d'ailleurs parfois des dessinateurs amateurs, pour avoir des belles couvertures. Et là, je voulais donc Picette, qui défie Napoléon en défendant les principes. Voilà, donc c'est un hommage à Picette au passage. Voilà. Donc tu devances la question d'Adrien Cœur de Lion qui demandait pourquoi il y a Napoléon et le pape Picette sur la couverture. Parce que ça incarne cette défense des principes, hein, voilà, contre le maître du monde.
Et c'est aussi parce que Pie VII est un pape diffamé et que je tenais particulièrement donc à, entre guillemets, réhabiliter sa réputation. Quoi. Voilà. Vinx demande que pense M. Abosi des catholiques nantais qui ont empêché la chanteuse sataniste Anna von Oswolf de se produire dans une église. Alors écoutez, j'ai pas suivi cette affaire, hein. Je l'ai vu passer comme ça sur les réseaux sociaux, mais je l'ai pas suivi. Mais si elle est vraiment sataniste, c'est très bien qu'on l'ait empêchée de. Oh, dans, oui, ses paroles, c'est je couche avec le diable. Vous savez, moi j'ai écouté du métal quand j'étais jeune, et il y a un. Enfin, ça m'arrive toujours d'écouter du métal symphonique d'ailleurs. Mais moi, un truc que je déteste, Hellfest. Hellfest. Voilà, il faut changer de nom si vous voulez continuer à exister. Nous, au pouvoir, il n'y aura pas de Hellfest. Je vous le dis. Hein. Il y aura un Heavenfest à la limite, mais il n'y aura pas de Hellfest. Il y a beaucoup de groupes de métal qui ne sont pas du tout. Enfin, qui sont même pas. Ah bah, évidemment, évidemment. Et qui sont, et moi, les groupes de métal que j'écoute ne sont pas du tout sataniques. Mais je n'aime pas l'appellation Hellfest. Il faut la dégager. Voilà. Mais voilà, hein, je dis, moi, j'aime bien un groupe Rhapsody, j'aime bien Nightwish, vous voyez, Blind Guardian, Royal Hunt, j'aime beaucoup Royal Hunt, c'est un de mes groupes préférés, ça n'a rien à voir avec le satanisme, tout ça. Dieu merci. Mais il y a même du white metal, hein, d'ailleurs, qui est du metal chrétien. Enfin, chrétien, je mets des guillemets, parce que c'est des protestants, les mecs, souvent, mais bon, bref, on se comprend. Je crois qu'un des musiciens de Metallica avait, s'était converti, des choses comme ça. Enfin, y a... À moi, lequel ? Je sais plus, mais... Je... Ça m'étonnerait, ça. Vous êtes sûr de vous, Pierre, entièrement que... Je vérifierai. Je... Bon, alors, c'est peut-être Trujillo, là, peut-être qui est mexicain, c'est pas impossible, ça, ouais, peut-être. Cédric Leroy, Adrien Bézi, peut-il nous dire pourquoi il n'approuve pas la thèse Cassicatium de Monseigneur de Barbier ? Bon, parce que, tout simplement, dans le magistère de l'Église, je trouve déjà tous les instruments pour y voir clair. Donc, j'ai pas besoin d'avoir une explication supplémentaire. Voilà. Et donc, le magistère pur, pour moi, me semble être les lunettes les plus simples. Kevin demande, faut-il obéir au pape pour des questions qui ne relèvent pas du magistère ? Il faut obéir au pape en matière de foi, de mœurs, de discipline et d'actes de gouvernement. C'est le Concile Vatican qui nous l'enseigne. Donc là où les lefévristes sont tartuffes, entre guillemets, enfin les autorités de lefévristes, parce que les fidèles de base, ils n'y comprennent rien la plupart du temps, hein, c'est que, indépendamment de la question de l'infaillibilité, il devrait être soumis à Bergoglio si Bergoglio est pape. Donc par exemple, et là aussi, on va tester là, les reins des communautés ecclésiadées. Si Bergoglio est pape, vous devez accepter qu'il supprime vos communautés ecclésiadées. Vous devez l'accepter. Voilà. On peut prendre en défaut les lefévristes sur l'infaillibilité, on peut aussi les prendre en défaut sur la question de la soumission du haut pape. Jean W, monsieur Abosi, a-t-il lu L'anneau du pêcheur de Jean Raspail ? Non, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas lu. J'ai pas lu. Mais il y a beaucoup de livres, hein, que j'ai pas lu. Hein. Oui, moi aussi. FRL, que pense Adrien de Pierre-Yves Rougeron ? Il semble bien s'entendre, pourtant monsieur Rougeron est assez critique envers la religion catholique. Alors je crois pas qu'il se revendique du catholicisme, hein, Pierre-Yves. Mais écoutez, c'est très simple, hein, humainement on s'entend bien. On a des accords, mais vous savez, c'est pas parce que des désaccords qu'on est obligé de s'entretuer. Et en pratique, d'ailleurs, très souvent, les plus gros clashs sont entre des personnes qui sont d'accord sur un grand nombre de choses. Vous voyez ? C'est ce que j'ai expérimenté ces dernières années. Voilà. Les personnes qui me combattent le plus, d'un point de vue humain, si je puis dire, sont des personnes qui sont d'accord avec moi sur quasiment tout. Voyez. Et à l'inverse, des gens avec qui j'ai des désaccords idéologiques, comme Pierre Bourgeron, ben on a des rapports cordiaux. Voilà. On peut citer aussi dans le même genre Olivier Piacentini, que nous saluons, au passage, avec qui je m'entends très très bien. Voilà. Donc Pierre-Yves apporte sa pierre à la réinformation d'une part, et puis bah, il a, avec Philippot, il a le mérite de combattre contre la dictature sanitaire. Et quoi qu'on pense de Philippot, et moi j'étais pas le dernier à être critique envers sa personne et sa ligne quand il était au front, bah, il joue un rôle historique aujourd'hui. J'étais d'ailleurs à la manifestation samedi dernier, et il y a toujours du monde, mais je serais content s'il y en avait encore un peu plus. Voilà. Soyez en passant. Kevin demande, du coup, on censure AC/DC et les Stones, alors ? Ouais, sans pitié, sans pitié. Moi, je suis pas là pour plaisanter, pirotièrement. Ou on veut refaire une société catholique, on veut pas. Voilà. Donc les gens qui jouent avec les symboles démoniaques, voilà. Ou alors, on les censure. Ils changent leurs paroles, ils virent leurs chansons qui fouettent, et puis voilà. Alors, on te demande ce que tu penses de E. Michael Jones, je crois que tu l'avais déjà répondu. Alors, je connais Michael Jones, le guitariste de Jean-Jacques Goldman, hein, mais je connais pas E. Michael Jones. C'est hein. Un théologien américain. Je connais pas. Qui a une chaîne YouTube. Alors moi, je n'ai pas d'opinion sur ce que je ne connais pas, contrairement à d'autres, voilà, qui arrivent à avoir ce don-là, mais moi, je ne l'ai pas. Cédric Leroy, Monsieur Abosi, peut-il nous donner un avis sur Civitas ?
Je n'ai pas d'avis particulier. Bon, je pense que c'est des gens de bonne volonté hein, qui veulent faire le bien, mais bon, malheureusement, ils n'ont pas rompu avec le gallicanisme et le lefebvrisme, quoi. Voilà. Donc j'espère qu'ils vont se convertir à la vraie foi. Et merci à Julien Comtesse pour son don. Erwan Riboulet, bonsoir. Que pensez-vous du dernier sermon de dimanche de l'abbé Grossin à propos des positions fénéistes du père Jacques de Saint-Joseph ? Le père Jacques n'a pas de position fénéiste. Voilà. Donc, je pense que c'est surtout un fruit de malentendu. Voilà. Le père Jacques professe la foi catholique, intégrale. Vinx dit... Ça va de soi. Et d'ailleurs, il a réfuté le féérisme à ce micro même. Le féérisme, certes, et le fénisme aussi. Voilà. Et je voulais dire, Thierry Brugeron sera à ce micro-là lundi prochain avec Henri de Lesquin. D'accord. Vinx dit, Dave Mustaine de Megadeth, Alice Cooper, le chanteur de Wasp, entre autres, sont de fervents chrétiens. Alors le chanteur de Wasp, Blackie Lawless, ça m'étonnerait qu'il soit un fervent chrétien à lui. Hein. Je ne connais pas. Parce que moi j'ai vu des trucs sur scène, alors à moi qui ai fait une abjuration publique, j'ai quelques doutes. Hein. Je ne connais pas. J'ai quelques doutes, hein. Je vous le dis. Hein. Et puis chrétien, c'est quoi ? C'est protestant ? Bon, écoutez, soyons sérieux. Bon, écoutez, je crois que c'est bon pour les questions. Bah écoutez, on va pas faire de zèle. Donc cette émission, je crois, est importante parce que il faut réhabiliter la papauté face à la singerie conciliaire et face à l'entreprise de dénigrement des traditionnalistes, des lefebvristes, etc. Voilà. Donc j'ai voulu rendre un hommage à la papauté. J'espère permettre aux gens de redécouvrir le vrai visage de Pierre. Voilà. Bref, chers amis, on va s'arrêter là. Bah, je vous demande de partager un maximum la vidéo parce qu'on est shadow banné à mort. Et voilà, donc bah, écoutez, le combat continue. Hein, et puis bah, j'espère, c'est bien d'aller aux manifestations, mais c'est aussi encore mieux d'aller à la messe, chers amis. Donc devenez catholiques. Vivons à l'état de grâce. C'est la meilleure façon de combattre le démon et cette république démoniaque. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour présenter des nouveaux livres Altitude qui seront des livres intensément français. Voilà. À très bientôt.